Hello les gars! On se retrouve aujourd'hui pour un Yes Man Challenge, mais un peu remixé à notre sauce. En gros, le principe est super simple. Toutes les heures, on fait un bottle flip. Celui qui gagne le bottle flip a le droit de diriger l'autre pendant une heure. C'est un prank. Non, c'est pas un prank. Évidemment, on n'a pas fait les choses à moitié. On s'est dit que c'était un yes man de l'extrême. Tu cours et tu sautes, dépêche-toi. Le but, c'est qu'on se fasse souffrir. Et comment vous dire qu'on s'est pas gêné? J'ai dit quoi? J'ai dit pédicure et à la fin, t'es en train de masser les pieds. Comme d'hab, si le concept de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. On le réclame pas souvent, mais ça fait toujours plaisir. Et un petit commentaire, on lit tout. C'est parti, on vous laisse avec la vidéo. Let's go. Oh, tu vois, à cause de ton ordi, sinon je l'aurais mis. C'est vraiment de la triche. Bon, ma vie, tu vois, là, j'ai pas mangé. J'ai super faim. C'est tellement surprenant de ta part. Du coup, j'ai envie d'un pain au Nutella avec un croissant. Mais tu te débrouilles pour qu'il soit chaud et qu'il sorte du four de la boulangerie. Je leur dis quoi? Refaites vos croissants. Oui, tu te débrouilles. Et mon croissant, j'aimerais bien fourrer au Nutella. Donc, faut que tu passes acheter du Nutella parce qu'il y en a plus. Là, il y a trop de choses, là. Bah, pas du tout. Et j'aimerais bien aussi jus de pomme. Tu sais, la marque Nut Enred, je sais pas quoi, là. Minute Maid, voilà. Donc, tu te débrouilles pour en chercher. Allez, ma vie, dépêche-toi parce que leur tour, ça va bientôt être le haut de ma vie. Bah, justement, moi, ça m'arrange, je prends tout. Non, t'as pas le droit, par contre, t'as pas le droit. Allez, j'ai faim, je t'attends ici dans le lit. Tu m'emmènes mon déjeuner au lit, hein. Avec un beau plateau, une belle présentation. Allez, leur tour. Putain. Tu vois, c'est le genre de truc, ça me fout la flemme de faire 50 courses de bon matin. Bah oui, bah c'est comme ça. Moi j'ai faim, donc faut que tu nourrisses mon ventre. Flip pas, hein. Pain au chocolat. C'est bon. Moi j'ai un cerveau. Mais quand même, prépare-toi qu'on puisse faire passer à autre chose au courant de la journée, parce que j'ai dit tout de prévu à partir. Bah si tu gagnes pas, commence pas à te dire dans ta tête, je vais manger. Tu fais quoi? J'y vais. Tu mets 15 ans à partir. Tu dois obéir à mes ordres. Juste avant, j'ai des bols à laver. Tu peux les prendre s'il te plaît et me les laver. Vite, hein, parce que j'ai faim. Oublie pas. Ça, c'est bon, c'est un nouveau verre. Mais tu peux le monter, hein. Mmh, il a rajouté des framboises et des bananes. Mouah. Je vais me régaler. Par contre, t'as pas pris mon jus de pomme. J'ai complètement oublié. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais déjeuner tranquille et puis je vais être honnête avec toi, l'alarme. Bah voilà. L'alarme sonne depuis 40 minutes. Donc ce sera bientôt le renouvellement. J'attends que ça, tu vois. Bah oui, mais j'aimerais bien profiter de mon petit déjeuner. Donc si tu peux me laisser tranquille. C'est une blague. Non. Je me casse le cul à préparer tout ça et je ne te paraissais. Non mais là les gars, il me fait trop d'appel, je veux pas être méchant. Vas-y, on le partage. Non, Tyson. Non. Hep, hep, hep. Non mais il m'a mis une cuillère de Nutella, non mais... Mais le meilleur petit déjeuner de tous les temps. C'est qui? Grâce à moi, parce que c'est moi qui t'ai demandé de l'acheter. C'est moi. Hé, mais c'est pour qui lui? Mais pas du tout. T'as déjà ton croissant, pourquoi tu croques dans le mien? Bon, prends tes framboises là et j'aimerais bien finir mon petit déjeuner toute seule. C'est un prank. Non, c'est pas un prank. Elle est bipolaire votre copine. C'est excellent. Il a pas fait son radar sur le Nutella, mon croissant. Je peux pas. Alex! C'est bon, oh là là. La chance est avec moi. Bon. C'est moi qui ai gagné, encore. Il faut que je consulte mon téléphone, parce que je m'attendais pas à gagner. Comment ça, faut que tu consultes ton téléphone? Bah, j'ai fait des notes. Bah, déjà, tu vas débarrasser mon plateau. Voilà. Parce que j'en veux plus, là, j'ai trop mangé. Non, mais une chose à la fois, hein. Bah, vas-y, débarrasse mon plateau. T'évites d'être lent, s'il te plaît, cette fois-ci. Et juste laisse-moi le bol, là. Allez! Oui! J'ai encore un autre truc à te faire faire et ça fait longtemps. Respecte-moi par contre, parce que sinon je vais tout arrêter. Hein. Mais MDR. Et lui il croit qu'il va me respecter. Va faire ce que je t'ai dit et tu reviens. Je sais pas quand m'habiller donc je vais me faire une tenue, mais pas dans ton style, dans mon style. Basique comme moi, mais pas trop basique avec une petite touche d'originalité, mais pas bizarre. Et déjà on sait pas ce qu'on fait dans la journée. Je sais ce qu'on va faire hein, si c'est moi qui gagne toute la journée. Je sais pas, moi t'as envie d'être avec moi. Bah je t'ai dit en fait tous les critères. Écoute pas ou vois quand je parle. Lui il est très cute. Ouais. Avec le t-shirt. Bah va me chercher le t-shirt et j'ai un autre truc à te faire faire après donc faut s'activer. Je vous explique que c'est pour le troisième bottle flip. Ça tombe encore sur les nerfs, j'arrête la vidéo. Voilà mon petit tout de suite de jour. Ah je vais pas mettre mes chaussettes. Tu vois ma vie, mes pieds sont très dégueulasses. Et j'ai fait exprès de pas me les refaire pour que tu puisses me les refaire. Quoi? Donc j'aimerais bien que tu me fasses une pédicure toute entière. Non. C'est-à-dire massage des pieds, tu me refais le vernis, tu me l'enlèves, tu me mets le top coat et enfin bref, voilà tout ça. Allez! Et que ça saute! Allez!
T'es sérieux ou quoi là? Je te donne un ordre, tu sais pas. Non mais Léna, je suis pas. Tu vas démerder? C'est pas difficile hein? Non mais là je crois rêver. Qu'est-ce que tu me fais faire là? Ça me dégoûte, ils sont tout froids. Comme ça j'aurais des beaux pieds, je pourrais même me mettre en claquette le nom de tes dunks. Elle a un mini doigt d'orteil, genre il fait 1 mm carré. Bah hein, j'ai pris les pieds de papa. Malheureusement on peut pas tout avoir dans la vie. Ah. Tu mets ça mais très vaguement. C'est du top coat? Non, c'est un soin. Soin top coat et vernis. J'ai dit quoi? J'ai dit pédicure et à la fin t'es en train de masser les pieds. Tiens, du temps que ça chasse, je vais me couper un peu. Lui il est super mini, je le touche pas. Bah l'autre, regarde, t'as le gros là. Maintenant mets un petit coup de lime. Tu sais pas ça, tu fais comme ça. Oui bah c'est exactement ce que je fais. Non pas du tout. Non non, le coin de la lime. Et tu le rends sous l'ongle. Voilà. Ouais j'apprends vite. Mais c'est bon, j'ai fini là. Non, le petit doigt. Allez, c'est très bien Léna, c'est très beau, c'est très très joli. C'est n'importe quoi. T'as vu comment il est fait là cet angle? Oh le carnage. Pourtant je veux vraiment je m'applique. Bah non, je vais dire arrête. Arrête, je préfère garder mes ongles de pied sans vernis que avoir ça sur les pieds. Alors tu vois j'ai des poils sur les aisselles donc faudrait que tu me les épiles. La vidéo c'est pas je fais l'esthéticienne. Bah de si ma soeur, je te fais faire ce que je veux. Ne me moque pas de mes aisselles. En fait vu que je fais l'épilation définitive, je pensais que mes poils ils voyaient pas, mais en fait ils se voient. Chewbacca. Et tu m'essuies les selles alors un peu dans le pied. Oh. Faut que t'arraches comme ça. Bah. Et là t'arraches, tire d'un coup. Tire d'un coup. Allez. Allez, t'es chiant. Quoi? Là. Regarde, t'es en train de niquer la truc. Ah bah regarde, ça va bien enlever. Déchire la peau là. Stop, c'est moi qui décide. Maintenant la petite huile, tu reprends notre paquet. Tu me parles comme si ton métier était en train de me saouler. Merci ma vie. Je vois si j'ai pas autre chose à te faire faire. Non mais Léna, on vient de finir, il y a une seconde. Il reste 13 minutes. Ah je vais faire ça maintenant parce que comme ça c'est fait. Enfin tout le reste de la vidéo, tu adores rester comme ça du coup. J'ai envie que tu mettes tes vêtements à l'envers. Pendant toute la journée. Tu vas te trimballer les vêtements à l'envers. T'es certaine? Ouais. C'est de l'extrême. Petit. Alors vas-y, si tu me fais pas des trucs trop extrêmes et que c'est re à moi plus tard dans la journée, je te ferai remettre tes vêtements à l'endroit. Bah alors je peux oublier parce que je ne compte pas être gentil avec toi. Ah bah vas-y alors. On déconne, il y a les chiens. Violette, si. Je trouve que ça va, ça aurait pu être bien pire. Hein. On est bon, là, ça passe. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui va voir dans la rue. Excusez-moi, monsieur, vous avez mis votre tenue à l'envers. Oui, c'est ma petite conne de sœur qui a eu cette merveilleuse idée. Bon, il est quelle heure là? Parce que vite, on change là. Ah, j'ai une minute. Une minute. Quoi? Alors, j'ai une minute. On va à Nice pour aller au Shodana pour prendre des pizzas. Léna. Ça va, c'est moi qui conduis, t'as rien à faire. On va pas faire l'aller-retour juste pour les pizzas. Bah, si. Bon, bottle flip là, allez, go, il est 5 ans. Bon bah je commence du coup vu que t'es pas là. Non, 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 parce qu'on sait jamais, si tu me mets du premier coup là, je me tire une balle là, je crois pas. Impossible que tu regagnes là. 3, 2, 1, concentration maximale. Putain. Ah oui, voilà. C'est le jeu, hein. Ça va, c'est sur la route, tu vas devoir me rendre des services, c'est pas non plus... Non mais là, une fois ok, deux fois ok. Trois fois. C'est toi qui as voulu faire bottle flip, j'étais plus nulle. Oh, pierre fait ciseaux. Puis quel sac je mets du coup? Moi j'aurais mis lui, oui, j'aurais mis le petit Prada comme ça. Bah tu peux me transvaser tout ce qu'il y a dans lui et dans Prada. Cette vidéo elle est trop bien. C'est la meilleure vidéo du siècle. Voilà. Merci ma vie. Ah oublie pas ta carte parce qu'évidemment c'est toi qui l'as payé. Allez, j'ai faim là. Il faut enlever le drap ou se suit de la couette? T'as oublié ça, c'est tombé. Bon, je vais devoir faire le plein d'essence, donc tu vas me le payer. Regardez mon niveau d'essence en plus, vraiment. Il me reste 60 km. T'as au moins 75 € d'essence. Ça va. Payer de l'essence pour aller dans un endroit que tu as décidé. Ou tu vas payer aussi à cet endroit. Alors ma vie, oublie pas, c'est du 100,95. J'ai mis 75 balles comme elle me l'a demandé. Là on est sorti il y a une seconde chrono. On était à la mairie, on vous a pas dit, on a récupéré nos passeports. C'est parti les gars, bottle flip. Premier coup. Alléluia. Je suis foutu. Allez c'est parti, la porte. J'en étais sûr qu'il allait me demander. On va aller à Starbucks de Cannes avant de partir à Nice. Oh t'es trop chiant, Starbucks de Cannes. Bah tu vas y aller toi, je peux pas me garer sinon. Ah non. Oh putain, malade lui. J'ai écrit ma petite commande. Je t'oblige à prendre, parce que tu vas avoir faim un moment, tu vas nous saouler. Le sandwich qui a l'air le plus dégueu.
de Starbucks et tu vas devoir le manger. À tout. Il y a ma carte dans ton porte-carte, si tu payes avec, je te trucide. Ciao. Elle rentre par la sortie, cette mongole. Je vais l'appeler, putain, mais quelle galère il y a. Allô. T'es rentrée par la sortie, hein? Non, mais il m'a dit, je suis pas des filles. D'accord. Ok. Bisous. Oh non, non, elle est méchante. Oh les gars, je suis là après la guerre. Attends, il est quelle heure déjà? Il est 30, genre dans 20 minutes c'est mort, j'ai rien eu le temps de faire. Il y avait plus de caramel macchiato, donc elle m'a donné un truc assez similaire. J'ai dit de mettre de la chantilly dedans. C'est hyper bon, je suis choquée. Le réfraîchat, je peux pas le sortir, mais j'ai pris ton réfraîchat pink coconut. Oh, j'ai pris deux cinnamon rolls. Oh lui, il est tout blanc. Deux carottes cake. Oh là là. Maintenant je veux voir ce que tu t'es pris de dégueu. J'ai même pas regardé les ingrédients. J'ai pris le truc, elle a l'air vraiment d'être dégueulasse. Franchement ça c'est pas le pire chez Starbucks. Mais il y avait que ça, il restait plus que les trucs comme ça. Allez dégustation. Non j'ai pas faim. Bah je m'en fous, tu te forces. Mais tu vas voir toi les trucs que je vais te faire faire. Cajun Chicken Club Chandouille, ça me dégoûte. Putain c'est pire. J'ai pris vraiment le truc qui me dégoûtait quoi. Ah ça pue. Moi j'aime bien un peu cette odeur, mais toi je comprends, ça doit te dégoûter. C'est dégueulasse. En fait, une épice, ça me dégoûte. Toi, tu vas bien aimer. Je suis folle, moi, à me remanger le poulet. Vous devez vous demander pourquoi je conduis. C'est tout simplement parce que je me suis fait dégager par la police parce que Léna a pris un sens interdit. C'est toi qui m'as dit de me galérer là, t'es sérieux? Oui, voir, il va falloir bouger là. Vous avez bien grillé les panneaux? Moi, je dis, ah, je sais pas, je conduisais pas. Et il m'a dit, c'est 3 points et 150 euros d'amende. Je t'aurais dans la merde là. Je serais jamais sortie. En vrai, entre nous, ma vie, c'est mieux que ce soit toi qui te prenne les 3 points que moi. T'as 12 points. Bah oui, ce serait mieux pour toi, mais je veux pas passer à 9 points. Je bois vite mon café parce que je sens qu'il va m'épuiser. Le son du bonheur. Oui, bonjour, je vous appelle pour passer une commande à emporter. J'aimerais vous prendre une pizza Nutella banane, supplément Nutella dans la croûte. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. Nous sommes arrivés à destination. Oui, oui, oui. Bah donne si tu veux. J'aimerais trop que l'odeur transperce à la caméra. Oh. Regardez-moi les deux à côté là. Ouh, je salis pas la voiture en même. Cheers. Voilà. Oups. À jamais partir, c'est du siège en tissu. C'est exquis, c'est... je sais pas comment vous décrire ça, mais. Maintenant la Nutella banane. Elle est beaucoup plus lourde. Je crois pas que je vais la manger là. Ça fait tellement longtemps. Non mais Léna, c'est quoi cette part sans déconner? Bah comme ça j'en prends pas deux. Non mais regardez ma part vs la part de Léna après un an. En plus elle a bien bougé sur le Nutella. Bon, 3 heures plus tard, on est toujours là. Je peux pas aller finir plus tard. Non. On peut pas faire le bottle flip, comme ça on peut continuer à avancer. C'est pour tout ce matin où t'étais lent. Tic tac. Bottle flip un peu galère. J'ai pété un câble. Pourquoi je t'ai laissé commencer? Les gars, en premier coup. Putain. On va passer à Polygon et tu vas me payer jusqu'à 300 euros de Sephora, de ce que je veux. Comment ça, tu mets un budget Je mets un budget. Mais non, non, si, non. Si. Ah, t'as déjà tout à la maison. Bah, je fais du stock. Ma vie va me rechauffer la carte. Le magasin que je veux faire, c'est Sephora. Ah, peut-être pas. Y'a quoi comme magasin à Polygon? Sephora, c'est tout. Si j'aurais eu Apple à Polygon, t'aurais fait acheter un nouvel iPhone. Ou je t'aurais fait payer la réparation de mon téléphone. J'en suis pas fière, attention. Elle l'a explosé. Y'a carrément un bout et tout qui sort. Et elle l'a fait tomber en faisant un TikTok. Et en fait, il y avait un courant d'air. Il y a le vent. C'est le vent qui m'a fait tomber mon téléphone. Là, je suis sur printemps. Je regarde les marques un peu qu'il y a. Copernic, il y a des belles talons. Non mais Léna, tranquille, je vais pas t'acheter tes talons cette semaine. Mais tu dois dire oui à tout. Oui mais n'abuse pas trop. À gauche sur avenue Valérie Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, c'est qui déjà Valérie Giscard d'Estaing? J'ai déjà entendu son nom. Ouais j'espère bien. En histoire qu'on voit ça, c'est qui déjà? Ça doit être une princesse ou une reine. Mais déjà c'est un mec Valérie. Ah, merde. Une princesse, ouais. Je sais pas, un historien. Un président. Ah ouais? Ah mais oui! Un président de France en plus. Bah oui. J'ai fait un quiz dans une école. Je sais pas raconter ça. C'est oui. Très drôle. Et il y avait de la culture G dedans. Et à un moment c'était qu'est-ce qu'un influenceur? Quoi? Du coup bah moi je me dis oulala, faut pas que je me trompe. Du coup j'ai dit un influenceur est une personne. J'ai très peur de ce qu'elle va dire là. Influence.
est une personne qui exerce son activité sur les réseaux sociaux. Oh, c'est pas possible d'être triché, ça a été sur Google. Non, mais pas du tout, j'avais pas mon téléphone, ils me l'ont pris. Et qui collabore avec des marques sous contrat. Et du coup, après, ils se disent, est-ce que tu connais des influenceurs ou es-tu le toi-même? J'ai dit, bah, je suis moi-même influenceuse. C'est gênant. Go faire chauffer la carte d'aller. En plus, il est énorme ce soir. J'ai trouvé ce que je cherchais. Tu vas me le prendre. T'as pas le choix. Non, je veux ça. Skip, il est trop trop bien. À Skip, il est très très cher surtout. Je vois pas. Il reste plus que ma tante. Parfait. Super. Il y a tout. Il restait deux blushs, je les prends. Enfin, évidemment les gars, ces blushs là, quand je vous dis à chaque fois qu'on va dans un Sephora, elle demande s'il y a ces blushs, ils sont introuvables. Et là évidemment il en reste deux. Par contre il y a pas de fixateur je crois. Ah il est là. Autant pour moi. Mais elle fouille tous les tiroirs, genre stop, je vous en supplie, genre elle est en train de fouiller partout. J'ai trouvé le premier produit, lui je le colle et tout, j'ai trop de bêtises. Allez on y va, suis-moi. Donc on va où là? Tranquille les fesses. C'est un prank. Ah mince alors, il n'y a plus de sérum. Oh, il n'y a pas la CC Cream. C'est bon Léna, tu tournes dans les rayons, t'as rien d'autre à prendre. Oui, c'est bon. Bonjour. MDR. 149 euros, ça dégoûte. Non mais je suis choquée. 149 euros, on a 3 trucs qui se battent en duel. Bon là on va à Printemps et puis après on ira chez Normal parce qu'il y a des trucs super bien à petit prix. J'arrête jamais, cette journée est interminable. Les gars, regardez ce que j'ai trouvé. Tu le vois ma vie, ce petit cordon kaki là? On va demander. Et s'il y a le cordon, tu vas payer. Est-ce qu'on prépare un petit haul avant de faire le fameux bottle flip? Sa carte a saigné. Sephora, alors j'ai pris Full Charlotte Tilbury. J'ai pris ce produit là, illumine en gros le teint de ouf. Après j'ai pris mes deux blushs favoris, c'est la teinte Pink Gasm. Du coup j'en ai pris deux parce qu'ils sont tout en rupture. Un petit gua sha et j'ai pris ma petite CC crème de Herborian qui s'adapte au pH de votre peau. Comme ça je mets plus de fond de teint, donc j'adore. Moi j'ai pris un petit masque. Tu vas jamais aimer. Quand je prends le train ou quoi? Non mais je vais m'en servir de petit masque léopard. Ensuite là... Trop bon, la meilleure chose au monde. En gros c'est des popcorn au caramel. Et ils sont délicieux avec des bretzels mélangés, c'est une tuerie. Là ils sont mélangés, il y a un popcorn et un bretzel parce qu'ils sont cool. Ça c'est les meilleurs. Je peux crever. Autre péché mignon, les meilleurs chips du monde, les Doritos au nacho cheese. Mes chips préférés de tout l'univers. Un petit frisbee pour Tyson. Regarde, t'es le chat, c'est comme ça. Alors, qu'ils comprennent le principe d'un frisbee. Et moi j'ai pris un bain de bouche parce que bah... Ta gueule. Laisse pour Tyson. Bah, si on la mort, on en a une deuxième. Donc on en a pris deux évidemment parce qu'elle était pas chère. Léna elle a pris une boîte de glace. Là c'est les meilleurs. Un petit truc comme ça là pour faire du, volume en racine. Enfin on a pris du chai latte parce que c'est notre passion sur terre depuis pas longtemps. Voilà pour nos petits achats que j'ai tout payé. Je suis ravie. Bon merci ma vie. Hein. Oui quand même. Je vais te faire un câlin. Parti les gars, la vidéo reprend. Je commence, je te laisse le jour, Léna, si tu le mets. Non, là vraiment, je vais péter un câble. S'il te plaît, sois pas concentré. Mais MDR. Putain! Je vais mettre le tablier parce que tu vas être ma mermaid. Ça, franchement, je m'en fiche. Je vais aller me poser tranquillement parce que c'était une dure journée. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Je veux un chai latte. Tu cherches la recette sur internet, tu te débrouilles, c'est pas mon problème. Bien frais avec des glaçons. Ok, je vous emmène ça. Mais j'ai pas fini. Je veux que vous me serviez avec des rollers. Bon, vas-y, passe-moi la caméra. Bingo. Non, mais qu'est-ce qui me fait pas faire? Tac. Évidemment. Je gère. Je pourrais faire barman en mode roller et tout. Il est pas trop beau, on va lui apporter. Alex. Sans mon chai s'il te plaît, donne-le-moi et après je ferai ce que tu veux. Voici votre chai. S'il est mauvais, je vais le faire partir en cuisine. En vrai, il est pas mal, je mets un 7 sur 10. Ah. T'as juste versé une poudre dans du lait quoi. Et j'ai mixé avec le mixeur. Waouh. Je veux un petit spectacle en roller, genre en mode un petit tourbillon. Bon ça va, c'est validé. Les enlever. Je veux de l'air d'éventail. Elle s'est pris les deux coussins. Donne-moi les deux coussins, j'ai envie d'être bien assis. Non, déjà. Bah, je veux les deux. Mets-les-moi bien, je vais mettre à l'aise, s'il te plaît. Ouais, un peu plus haut là, c'est pas bien mis dans mon dos. Ah, le bonheur.
Ok, tu vas me faire des grades pendant une heure en fait. Avec un peu de personnalité, genre un peu comme ça, un peu comme ça, différentes intensités. Mali, je peux pas tout faire là en fait. Qu'est-ce que je pourrais te faire faire? Un petit massage du dos. Ah, ton dos tout transpirant là. Je lui mets la Fenty Skin, c'est une crème, elle est hyper bien. Un massage bien-être, hein. Bah, hein. Attends, en fait, tu me laisses faire ou pas? Bah, raconte-nous. C'est pas agréable ça. Raconte-nous ton bac, raconte-nous ton permis, les abonnés sont pas au courant. J'ai obtenu mon permis du premier coup. Quand j'ai passé le permis automatique, parce que franchement, la flemme de passer le permis manuel. Pourquoi se faire chier? Si vous avez envie de passer une formation pour le manuel, en fait, il y a que 6 heures d'apprentissage et tu passes pas d'examen. Du coup, c'est trop bien. Et après mon bac, bah écoutez, entre nous, je pensais pas que j'allais l'avoir. Vraiment, je pensais pas du tout. Et puis j'étais surprise, j'ai même eu une mention. J'ai eu assez bien. Comme ma vie, on est vraiment, vraiment connectés. Jamais été stressée, sauf à mon épreuve d'histoire géo, c'était horrible. En fait, on pensait tous tomber sur la guerre froide. Sauf qu'on est tombé sur la... comment ça s'appelle déjà? Les 30 glorieuses. C'était horrible. Et vraiment, quand j'ai vu ma copie, que les textes, je ne comprenais absolument rien. J'ai cru que j'allais pleurer. Enfin, en fait, j'avais envie de pleurer. Vraiment, j'avais les larmes aux yeux, mais je me suis dit, arrête, Lina, fais pas ta fragile. C'est à cause de ça que je pensais ne pas avoir mon bac. Mais finalement, je l'ai eu. Et puis, en histoire géo, pour ma plus grande surprise, alors que vraiment, j'ai rendu presque copie blanche, j'ai eu 7. Du coup, j'étais un peu choquée de moi parce que je pensais que j'allais avoir 2. Mais j'ai géré, puis j'ai eu 7. Donc, bon, c'est pas génial. Tu dis que t'as eu 7 comme si t'avais eu genre 13. Bah oui, pour moi, 7, si t'aurais vu le sujet. Ah, je vais te niquer. Je supporte pas les trucs comme ça. J'ai mis un coup avec mon pied, j'espère que t'as eu mal. L'autre qui se ramène. Non, oh non, là, ça me gâche tout mon moment détente. Laisse là. Son dos. Non. C'est quand qu'on fait tourner une Yes Man là? Parce que là ça fait... Moi tant que tu me le dis pas je ne dis rien. Ça fait 2 heures. Bon là à ma vie j'ai assez donné pour toi là. Allez, on refait le bottle flip. Non. Tu vas morfler, c'est moi qui gagne. Là je suis motivée, c'est moi qui commence. C'est jamais du premier coup. Je vais me tuer là, c'est hyper dur. Mais parce que j'ai les mains grasses, elles glissent là. Non. J'étais sûre que ça allait tomber. Saute dans la piscine. Maintenant. Non, allez, y a pas de question. Allez, d'entrée là, tu cours. Allez, tu cours. Allez, tu cours et tu sautes. Dépêche-toi. Dépêche-toi. J'ai pas de force, mon. Vite. Allez, tu cours et tu sautes. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Habillé, c'est obligé. Ça. Oui. Est-ce que ça va abîmer mes vêtements? Non. T'es sûre? Allez. J'en ai les mêmes choses. Non, tu les gardes. Allez, dépêche-toi. Faut que je vous montre en entier, il est trop drôle. Non, tu sautes, j'ai dit. J'arrive pas. Et là, sinon je te pousse. On va pas y aller de main morte. Allez-moi. Tyson, viens de baigner. Non, 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 n'y va pas. Non, il va avoir froid, lui. Non. Non. Pas dans l'eau, hein. Attention, hein. Prends une serviette parce que je suis la sœur la plus gentille du monde. Allez, attrape. La vengeance est un plat qui se mange. Froid. Pire. Glacial. Glacé. Retiens bien. Je suis congelé là. Je stresse trop, je fais de la merde, je stresse trop. Nul à chier. C'est vraiment la partie de la journée où je voulais gagner plus que jamais. Donc ma belle, tu t'as fait toute la journée avec les vêtements à l'envers, donc tu vas morfler. Vas-y, ce que tu veux me faire? Bah je veux t'habiller. Bah habiller comment? Comme ton idole. Quelle idole? Olatine. Non, non, c'est mort. Si. Non, c'est mort. Je vais me taper la honte là-bas. J'utilise mon joker, je m'en fous. Je m'habille comme je veux. Au niveau des habits, c'est mort. Tu as dit exactement ce que je voulais. Allez, on est en retard, Alex. Tu peux t'habiller comme tu veux. Mais du coup, c'est moi qui te mets ton make-up. Je vais commencer par lui mettre une bonne quantité de... Putain. Ça va. On dirait un clown, là. Je suis sympa, je vais la laisser choisir. Tu as deux options. Première option, je te dessine des lèvres beaucoup plus petites qu'elles ne sont. Donc en gros, on efface et je te fais genre, je te dessine tes lèvres en dessous de ta lèvre, donc ça va te faire. Plus grosse. Ok. Mais pas exagéré, hein. Bah non, tu me connais.
fille. On dirait une botoxée. Fini avec les yeux. Je te fais un petit make-up des yeux à la poupie. Oh putain. Oh puis je mets du vert caca. Oh mon dieu. Et je... On veut une bonne trace bien démarquée. On va limiter la trace de merde. Là, on estompe mais pas trop non plus. Et on va finir avec un petit contouring du nez parce que Léna n'en fait jamais. Belle mes amours. La honte pour toi aussi me vient. Mais regarde, ça va, je suis mignonne, hein. Je reste belle. Gars, je pleure de rire, elle a quand même pris la peine de s'habiller en mode genre bien alors que... Bah oui, au moins ça rattrape le make-up. Regarde la trace. Allô. Oui, bonsoir, c'est bien le numéro de Madame Tangerine. Oui, si nous sommes sur la route, je vous ai appelé pour vous prévenir qu'on avait un peu de retard. Vous pensez arriver dans combien de temps? Le GPS nous dit 10 minutes, ouais. Pas de problème. Merci, à de suite. Faut se bouger la mèche. Petit brossage de dents. Doucement. Aïe, donc c'est bon, je le fais moi. Tu crois quand même pas que je vais mettre mes chaussures tout seul? Putain, puis ses pieds là, ils sont tout... Tu vois, on dirait qu'ils transpirent. Je pense quand même ma vie, hein, je suis pas non plus... Allez, on peut y aller. Je m'en fous. Vas-y, bah go. Il y a une petite fille qui nous a reconnus, alors du coup, si elle vient me demander une photo et que j'ai cette gueule, c'est mort. Bon, les gars, moi j'ai pris un petit filet de loup et la nana, je l'ai laissé prendre ce qu'elle voulait parce que je suis très sympa. J'ai pris des mèmes parce que ça fait 30 ans que j'ai mis de mèmes. Par carte. Oui, s'il vous plaît. Merci. Merci. Si ma vie. Tout le plaisir est pour moi. C'est horrible. Oh mon dieu, Tyson il fait que de péter. On a entendu le bruit là. On a entendu le bruit. On a juste regardé, elles sont mes fesses. Elles sont juste là. Les gars, on est come back home et on va faire le der des der. Je suis crevée là, c'est bon la journée. Je suis crevée là. J'ai trop envie d'un verre de lait. Est-ce que tu peux m'en apporter un s'il te plaît? Bah oui. Bah t'as surtout obligé de dire oui. C'est quoi cette paille là? Elle est pas nettoyée. Putain, mais toi, mais t'es vraiment un chat là. J'en veux pas. Je suis choquée. Avant du coup de prendre un douche, j'aimerais vraiment que tu m'enlèves ce make-up dégueulasse que tu m'as fait, tu vois. Mais que tu me démaquilles bien, que tu me fasses un bon soin. Et tu me fais ma skincare et tu me fais mon gua sha. Oh, il est tard. Il est tard et ça clôt sur la vidéo. T'as trop appuyé ma vie, ça a mis la peau. Hein. T'appuies trop, ça me fait mal. Je vais te niquer. Et voilà, votre skincare est terminé. Merci Maïs, c'est trop bien. Bon les gars, ce Yes Man est enfin fini. Après cette journée dure en émotions. Et puis quant à nous, on vous fait plein d'énormes bisous. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein plein de gros bisous, on vous aime fort, bisous. Et t'as cru que c'était fini? Bah on a fait la en train de me lever pour partir. Je veux juste que tu me portes pour aller à la douche, j'ai trop la flemme. Ouais. J'ai pas d'énergie. Allez, allez go. Oh. Allez. Même avec toute la bonne volonté du monde, je crois que je peux pas. Genre... Allez. Oh putain. Je sens tes os. Allez, jusqu'à la douche. C'est bon, là, t'es dedans là. Franchement, si je t'aurais pas demandé, ça serait remis au même. Hein, parce que j'ai fait autant l'effort physique. Non, mais ta gueule.